Le gratte-ciel est l'équivalent d'une serre gigantesque. Et pourtant, sa température interne est supportable. Pour cela, il consomme chaque jour 750 000 litres d'eau. Tous les buildings de la ville ont des besoins similaires. Le défi consiste donc à trouver des quantités d'eau très importantes dans un milieu aride. Il n'y a pas de cours d'eau et presque aucune précipitation. Pourtant, l'eau est partout. La réponse se trouve à 80 km à l'est, dans les monts Ajar. La géologue Catherine Goudinoff connaît bien la région. Elle fait partie d'une équipe qui cartographie les Émirats Arabes Unis. On a couvert la majeure partie des Émirats, avec 30 000 points d'observation. On est obligé d'aller partout. On a parcouru tous les sentiers, sillonné presque tout le désert, escaladé les crêtes des montagnes et arpenté les wadis. On a donc traversé tout le pays. Au cours de cette étude, les scientifiques ont découvert des signes du passé des Émirats. Ici, dans cette vallée profonde qu'on appelle un wadi, on voit des traces d'eau partout. Le wadi est en forme de V. Ça nous apprend qu'il a été creusé par un cours d'eau. Et puis tout autour, on a des rochers usés. Ils ont été lissés et érodés par l'eau. Il y a 2 millions d'années, cette région était très humide. À la place de la ville, il y avait des cours d'eau et une plaine verdoyante. Au fil du temps, les températures ont grimpé et les fleuves se sont asséchés. Puis les déserts ont tout envahi. Pourtant, l'eau n'a pas disparu. Elle est en partie stockée dans le sous-sol. Aujourd'hui, elle est toujours sous la ville. Quand il y avait de l'eau dans les wadis, elle coulait très vite. Mais une fois dans le sous-sol, comme elle devait s'infiltrer entre les grains de sable et les cailloux, elle s'écoulait plus lentement. Et bien sûr, elle ne pouvait plus s'évaporer aussi facilement parce qu'elle n'était plus en surface. L'eau peut rester là, dans le sol, pendant des millénaires, et c'est la première source d'eau de Dubaï. Cette nappe d'eau a alimenté la naissance de la ville au début des années 1970. Mais elle ne suffit plus aujourd'hui. Dubaï a besoin d'usines de dessalement qui transforment l'eau de mer en eau douce. La faire circuler dans les canalisations urbaines, puis dans les gratte-ciel comme le Burj Khalifa, est un défi pour les ingénieurs. John Svets supervise l'installation du système de plomberie dans de nombreuses tours. Si on pouvait visualiser l'infrastructure de distribution d'eau, on verrait une myriade de tuyaux qui ressemblent à un plat de spaghettis. L'eau est acheminée dans tous les coins et à tous les étages. Ce serait trop dangereux d'injecter l'eau jusqu'en haut d'un gratte-ciel comme le Burj Khalifa avec une seule pompe géante. Les tuyaux pourraient exploser sous l'effet de la pression. L'eau monte par paliers. D'abord dans un premier réservoir, au 40e étage. Ensuite, dans plusieurs bassins de 800 000 litres, jusqu'en haut du gratte-ciel. Puis, elle redescend dans les canalisations, sous l'effet de la gravité. C'est ainsi que 750 000 litres circulent chaque jour dans le Burj Khalifa.
Ce principe est repris pour de nombreuses tours de la ville. En ce moment, les travaux s'achèvent sur la Princess Tower. Avec 414 mètres et 101 étages, c'est le plus grand immeuble résidentiel au monde. Nous sommes devant le réservoir du 79e étage. Quand l'eau arrive à ce niveau, elle est déjà passée par trois paliers différents. Ici, on a une capacité de 300 000 litres. Si on pouvait enlever tout ce qui recouvre l'infrastructure hydraulique de la ville, on verrait qu'il faut un système gigantesque pour faire tourner une ville comme Dubaï. Il y a plus de 200 gratte-ciel à Dubaï. Ils sont parcourus par des milliers de kilomètres de canalisation. Elles sont enfouies sous le sable, loin de la surface. Chaque habitant consomme 550 litres d'eau par jour. La majeure partie est destinée au système de climatisation. Dans un endroit comme Dubaï, la climatisation permet de faire descendre la température de 40 ou 45 degrés à un niveau normal, agréable ou même plus sain. C'est une nécessité absolue, on ne pourrait pas s'en passer. Ces quatre tours géantes refroidissent de l'eau pour climatiser la Princess Tower. À leur capacité maximale, ces tours consomment environ 12 000 litres d'eau par jour. Donc ça fait 500 litres par heure. Ce système de refroidissement ne fonctionne que depuis quelques jours. C'est pour ça que la température ambiante est encore assez élevée. La Princess Tower est si haute qu'une fois le système branché, il faut 2 semaines pour que la température intérieure descende à 23 degrés et que les résidents puissent s'installer. L'eau est une ressource vitale pour la ville et ses ingénieurs ont appris à la maîtriser.